zéros peuvent être déplacés. Montez sur rail, nourris au feu grégeois. L'ordre sait comment y faire avec les rats. Bien, voyons voir. J'ai déjà vu ça avant, à l'autre bout du pays. C'est pas une coïncidence, j'imagine. Non, c'est la macula qui relie tout. Voilà, c'est fait. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez avec moi. Tu peux lâcher. Bien. Ouvre-nous la voie, Sophia! Restez dans la lumière! Attends, ne va pas trop loin, il commence à faire trop sombre. Mon prisme reçoit peu de lumière ici. Attention! Bien, on peut aussi les pousser. Tu m'aides? Bien sûr. Oui, allez! Beau travail! Où sont celui-là? Les rails se rejoignent. Changeons de direction. Hé, hey, Hugo, tu réalises combien de fois ces rats ont essayé de nous attraper? Oui, beaucoup. Mais on a toujours été plus malins qu'eux. Parce qu'ils ne tiennent pas les uns aux autres. Mais nous, oui. Exactement. Éclaire le chemin pour nous. Restez près de moi. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez dans la lumière. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez près de moi. Ça ira comme ça. J'y vais. On est en sécurité, tant qu'on a assez peu. Oui. Tout ce feu grégeois, je comprends maintenant. Le pont est juste après. Mais cette épave bloque le passage.
On peut l'enlever? Je sais pas. Il faudrait voir sous un autre angle. Revenons en arrière. Ouvre-nous la voie, Sophia! Restez avec moi! Attends, ne va pas trop loin, il commence à faire trop sombre. Carte de l'endroit. On peut voir les rails et les braseros. Pas une carte, un plan. On peut voir les mécanismes. Il y en a d'autres. Là, on dirait le château d'ombrage, Amicia. C'est vrai. C'est la cour avec le système de braseros. Et ça, c'est quoi? Encore des plans. Ceux-là ont des noms. Danemark, Constantinople. Et là, on dirait l'Afrique, l'Asie. J'ignorais que l'Ordre étendait son influence aussi loin. Ça peut arriver n'importe où. Quoi? La peste. Allons-y. On doit pouvoir se débarrasser de cette épave. J'ai eu chaud. Il n'ira pas plus loin. Cet autre rail là-bas, il mène au pont. Du coup, comment on se débarrasse de cette satanée épave? Laisse-moi voir. Thank you.
rail là-bas. Il mène au pont. Du coup, comment on se débarrasse de cette satanée épave? Laisse-moi voir. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez avec moi. Tu peux lâcher. Bien sûr. Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez près de moi. Mon prisme reçoit peu de lumière ici. Attention. Ouvre-nous un passage! Restez dans la lumière! Ouvre-nous la voie, Sophia! Restez près de moi! C'est bon! Tu peux lâcher! J'y vais! D'épave de chariot. Il n'y a plus qu'à rejoindre cet autre rail. J'ai hâte de voir ce qu'il y a de l'autre côté du pont. Vous êtes sûr que ce porteur est la réponse à vos questions? C'est évident, non? Tout conduit ici. Aelia nous a menés ici. Ces gens sont morts, ils peuvent plus aider personne. Mais c'est tout ce qu'on a. La vérité. Je veux pas connaître la vérité, Amicia. Ah, oh, vous.
Comment tu te sens, Hugo? Je me sens bizarre. Bizarre comment? Allez, Hugo, on y est presque. Comment tu peux en être sûr? Parce que cet endroit... Je le sais, c'est tout. Je sais que le porteur est la raison pour laquelle Hugo a rêvé de partir. Mais surtout, je sais qu'on n'a pas d'autre choix. Très bien, c'était... Non, oublie. Je suis vraiment désolée. Mais il faut qu'on le fasse. Oui. Ne t'énerve pas. Je suis pas énervée. Je suis... triste pour toi. Le sois pas. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez avec moi. Attends, ne va pas trop loin. Il commence à faire trop sombre. Ça ira comme ça. D'accord. On a réussi. Enfin. Bien joué. Ouais. Continuons d'avancer. Encore des gardes de l'ordre. Je n'arrive pas à croire qu'elle les a affrontés seule. Cette fille devait être une redoutable guerrière. Elle était engagée corps et âme. Et il était tout pour elle. Et il souffrait, il était en danger. Elle le savait. Tu sais ce que c'était? Je sens juste... la nuit. Comme dans mon rêve. Quand je mourrai. Seigneur, j'espère qu'elle a réussi. Pitié, donnez-nous une piste. Je veux qu'on parte. Protéger un, protéger tous. C'est ce qui était écrit dans la chapelle du fort. C'est elle. Aelia. La protectrice du porteur. Elle leur en a vraiment fait baver. Mais elle est morte seule. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo? Je veux pas que tu meures. Je suis vivante. Je suis vivante. Allez, t'es un grand garçon. Allons donc voir cette porte. Hmm? Je sais ce que ça fait. De se battre seul. Se battre pour ne pas être seule. J'espère que tu as trouvé la paix, où que tu sois. Tu sais comment on va s'y prendre pour ouvrir ça? Je veux qu'on parte. Quoi? Après tout ce qu'on a fait? Allez. Tu te sens un peu mieux? Pas trop. Hé, on est tous épuisés. Mais on est ensemble, pas vrai?
dépend. Ouvrons cette porte. Aelia, j'espère que j'aurai plus de... Elles étaient combien pour manœuvrer cette porte? Il faut y retourner. Comment on va faire pour bloquer les barres ? Occupe-toi de ça, Hugo. Oui. Quelque chose sort du mur. Je pense que c'est un frein pour maintenir la barre en place. J'ai besoin de toi, Sophia. C'est comme si c'était fait. Un début. Ça fait bouger les barres du milieu. Sophia, tu peux t'en occuper ? Avec plaisir. Celui-ci ouvre les barres du haut et du bas. Cette chose qui sort du sol, c'est une manivelle ? Je pense que oui. Sophia, je compte sur toi. D'accord. J'ai besoin de toi, Sophia. C'est comme si c'était fait. Tu peux arrêter maintenant. D'accord. S'il te plaît, me laisse plus. Sophia, tu peux t'en occuper ? Avec plaisir. Sophia, je compte sur toi. C'est parti. J'ai besoin d'un coup de main, Sophia. C'est comme si c'était fait. Je te laisse faire, Hugo. Un chariot. Qu'est-ce qu'il fait ici? J'ai besoin d'aide pour garder ça ouvert. C'est bon, arrête. D'accord. Arrête. Tout de suite. Sophia, tu peux t'en occuper ? C'est parti. J'aime pas quand t'es loin de moi. Il y a un poteau attaché au chariot. Il doit y avoir une raison.
J'ai besoin de toi, Sophia. C'est comme si c'était fait. Ça marche. Une barre de fête. Passons au reste. Sophia, je compte sur toi. D'accord. Hugo, j'ai besoin de toi. D'accord. Oh, je pense que c'est bon. On peut lâcher. Ce levier est totalement sorti du sol maintenant. Essayons-le. Ça marche. Oui, cette fois on y est. J'aime pas du tout ce que je vois, là. Ça descend. Plus profond. On peut encore partir, Amicia. Non, non. On franchira cette porte, tous ensemble. On y est. Si tu veux faire demi-tour, Sophia, c'est le moment. Allons-y. Je veux repartir. Je t'en prie, Hugo. Respire. Un hydra. Mais l'air est plus épais. Il est là depuis longtemps. Depuis Basilius? Je pense... Oh. Je me sens bizarre. C'est ta tête. Il y a... du bruit. Courage. C'est pas... très accueillant. Allons voir. Ça a fait quelque chose. En effet. Soyez prêts à courir, au cas où.
l'air d'aller jusqu'à l'autre bout. Mais il en manque une partie. Oui. Regardez, ici, il y a un passage qui descend. Bon, il est raide, mais... Je vois. Ça pourrait faire l'affaire. Je passe devant. Fais attention. Comment je vais m'y prendre pour les rejoindre? Oh mais... ces chaînes... des contrepoids... ils soulèvent les parties du pont. Ce sont ces chaînes! Elles contrôlent le pont! Il manque une autre partie! Par là! Très bien! Je vais continuer et voir ce que je peux y faire! On t'attendra! Tout va bien se passer. T'es la jeune fille la plus débrouillarde que je connais. C'est vrai. Mais... elle est toute seule, et ils sont beaucoup. Tu la connais. Elle a déjà fait ça plein de fois, non? Elle est tenace, bien plus qu'eux. Oui. C'est terrifiant tout ça. Moi aussi je suis terrifiée. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas assez fort, pas vrai? T'es vraiment terrifiée? Oui. Mais que ça reste entre nous.
encerclés. T'y habitues pas trop. Je t'avais dit qu'elle y arriverait. Oui, on peut traverser jusqu'au bout. Il faut que tu trouves un moyen de revenir maintenant. Je vais m'en sortir, t'inquiète pas. Pitié, faites que ce soit facile. Oh, il ne tient qu'à un fil. Seigneur, j'espère que je ne me suis pas trompée. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Mettons-nous au travail. Chose pour toi. J'arrive.
Je retourne au chariot. Oui, vite. Tu y es presque. On y retourne. Maintenant, concentre-toi. Trouve Basilius. Trouve tout ce qu'il y a à trouver et sors d'ici. Et il vivra. Tu es là. Tout va bien. Tout va bien. Laisse-toi aller. Vous voulez qu'on fasse une pause? Non, il vaut mieux y aller. Je suis là maintenant. En route. Je me sens triste. J'ai peur, Amicia. Je sais. On a traversé beaucoup de choses. Mais c'est comme si... s'il y avait quelqu'un dans ma tête. C'est... Basilius? Peut-être. C'est très lourd. J'ai peur. Ça veut sûrement dire qu'on se rapproche.
fin du pont. Il est temps de voir où ça mène. On va pas faire demi-tour, si ? Non, je vérifie juste par où sortir. Finissons ce qu'on est venu faire. Cette odeur, c'est étouffant. Oh. Oh, c'est mal. C'est très mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est là, Amicia. Je veux pas. Mais il le faut. Il le faut. Ça me dit rien qui vaille. Seigneur, on dirait une cathédrale. Ils ont construit ça pour lui. Alors, il est en bas? Oui, au cœur de tout ça. Ça ressemble à ce que le dernier seuil provoquerait. Aelia n'a pas réussi à le rejoindre, et voilà ce qui est arrivé. Et alors? Il s'est passé quoi? Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Je veux pas savoir. Il le faut. Il t'a amené ici. C'est ton héritage. Je veux pas d'héritage. Je veux être normale. Hugo, pour que les choses reviennent à la normale, tu dois vivre. C'est ce que tu veux, mais je continue à tout gâcher. Mais tu ne le fais pas exprès. Tu es juste un enfant. Il y avait des enfants dans la ville rouge aussi. Je sais que c'est dur, Hugo. On se connaît pas très bien, toi et moi. Mais je sais que tu mérites une seconde chance. Même si on doit aller en enfer pour la saisir. Oui. Thank you.
tête. C'est de plus en plus fort. Je veux qu'il sorte de ma tête. On y est presque. S'il se trouve ici, alors ce qui peut te sauver aussi. À quoi ça sert? Si je finis encore partout caché. Arrête. Tu dois me faire confiance. Je sais. Non, tu sais pas. Pourquoi tu fais ça? Amicia. Viens, je vais te porter. On va le faire ensemble. C'est trop pour lui. Je suis désolée que tu doives subir ça. Je le fais pour toi. Je veux me reposer. Tu te reposeras. Mais d'abord, tu dois vivre. J'ai besoin de toi. J'ai peur de moi. Arrête. Tu vivras. On se battra. On tiendra bon. Est-ce que c'est... le porteur? Ils l'ont enchaîné, le pauvre. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de lui, de son pouvoir. Voilà pourquoi ils ont bâti tout ça. Ils ont toujours eu peur. Ils ont tué un enfant. Il a appelé les rats. Ils se sont frayés un passage à travers les murs. C'est le point de départ. De quoi? La peste de Justinien. Il était triste. Il était très triste et en colère. C'est pour ça que la Macula nous a amenés ici. Il doit y avoir quelque chose. Un parchemin, une fiole. Quelque chose. Je vois rien du tout. Aelia, elle a échoué. Amicia. Elle a échoué, Sophia. J'ai entendu. C'est pas juste. Quand je mourrai... Tu ne vas pas mourir. Je ferai en sorte qu'ils meurent tous. Non, Hugo. Il n'aurait pas dû mourir. Quand ils l'ont séparé de sa protectrice, il a perdu espoir. Il a cédé à la Macula, et il les a tous condamnés. Il a eu raison! Non, écoute, si seulement elle avait pu lui dire quelques mots... Il aurait su qu'il n'était pas tout seul. Il aurait vécu, et épargné beaucoup de vies. Tu comprends? Tu vas vivre. Et moi, je serai là. Je te donnerai la vie que tu mérites. Une vie sans combat. Tu veux ça? On va se trouver un refuge. Ils ont pas vraiment l'air d'accord. Que se passe-t-il? Il faut partir! Ils ne t'en ont pas! Économise ton souffle! Reste
Moi qui sont restés là-dedans. Je crois que ça va. Personne n'est blessé. Hugo ? C'était trop horrible. Oui, je suis désolée que tu aies vu ça. La Macula savait ce qu'elle faisait. La Macula sait s'y prendre avec les enfants. Ils l'ont attachée à des chaînes. Oui, mais toi tu vas vivre. C'est ça, le plus important. Non, ce n'est pas le plus important. J'ai peur que tous les gens soient aussi méchants qu'eux. Et j'ai peur de ce qu'ils veulent me faire faire. Tu as raison. Écoute. Il y aura toujours des gens dans le monde pour faire des choses terribles. C'est dans l'ordre des choses. Mais crois en toi et en tout ce que tu peux faire de bien. Il y a des gens comme ça aussi. Pour qui ça compte vraiment. Qui veulent que tu aies une belle vie. Des amis. Comme moi. Les amis, ça sert à avoir envie d'être meilleur. Si tu en doutes, je comprends. Mais aie confiance en moi. Aie confiance en nous. J'ai confiance. On trouvera notre chez nous. Allez, quittons cette île. On a un bateau à récupérer et une mer de rats à traverser avant. Ils ne nous arrêteront pas. Tout est différent maintenant. Décidément, c'est de pire en pire. Mais on dirait qu'ils savent déjà comment combattre les bestioles. Ça ne les sauvera pas éternellement. C'est trop tard. On s'en va. Mais... Il ne s'agit plus uniquement de cette île, Hugo. Nous devons partir, ou tout sera condamné.